juste Riyad, avant de reprendre le débat Ligue des Champions, ça a commencé à Marseille. Le fameux fil rouge Europa League, la première minute. Voilà, c'est Bruma qui marque 1-0. La climatisation, Allemands au stade Vélodrome dès la première minute de jeu. Et les Allemands donc qui prennent une très belle option sur la qualification 1-0 pour les RB Leipzig. Ah ben merci Gislain, cette Marseille égalisée, on n'a même pas remarqué, bravo, alors là je ne félicite pas les gars, égalisation de son camp. C'est vrai. Bout de compte son camp de... Attends, je veux pas massacrer son nom. Ah, il a un nom compliqué. Non, Ilsenker. Un partout donc dans ce quart de finale d'Europa League, et donc Marseille donc à 2 buts de la qualification. C'est bien, ils ont réagi tout de suite, hein, les Marseillais, après l'ouverture du score de Bruma. Mais bon, la Leipzig encore, il n'y a pas vraiment le choix. Tu peux sombrer après un but comme ça. Il y a un contre intéressant, on va le suivre avec Payet à gauche. Payet là, oulala, qui trouve la volée. Oh, derrière, le double arrêt. C'est Bounassar qui marque, ça fait 2-1 pour l'OM. Et ce match est complètement fou les gars. Et Marseille qui est à un but de la qualification, le Vélodrome en furie. Ce but est pour Tabafodé. Et la Marseille vraiment là qui montre du caractère. Après l'ouverture du score de Bruma, il marque 2 buts coup sur coup et ça fait donc 2-1 pour les Olympiens. Ça fait 3-1 et là l'OM pour l'instant est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League. C'est sur un coup franc de Payet, et là l'OM donc qui renverse la situation, l'OM qui mène 3-1. On va le rappeler, hein, ils avaient été menés au score très rapidement dans le match par Bruma dès la première minute de jeu. Et là on voit tout le mental marseillais, on voit aussi peut-être le poids du public du Vélodrome qui joue dans cette rencontre. Ça fait 3-1 pour l'instant, l'OM qui est dans les derniers carrés de l'Europa League. Et c'est un beau centre là de Dimitri Payet, et derrière Thauvin qui reprend à bout portant. Ah, la défense de Leipzig là, problème de marquage, hein, quand même. C'est pas bien défendu de la part des Allemands, mais tant mieux pour l'OM qui donc mène 3-1 et qui est pour l'instant en demi-finale de l'Europa League. Le but de Jacqueline Augustin, la célébration de Jacqueline Augustin. Ça fait 3-0 pour Leipzig. Leipzig qui reprend la qualification. Ça fait 3-2. Ça, on pack des bras, ça c'est pour ça. Et là, c'est pour ça. Et là, on se titre. Riyad, je sais pas si le live marche encore. Mais bon, je pense qu'on a vu. Le but d'Augustin pour l'instant qui redonne la qualif. C'est vraiment la percée de Naby Keïta, les défenseurs qui sortaient pas sur lui. Finalement, il fait une talonnade pour Augustin dans la surface. Pelé, il aurait peut-être dû faire un peu mieux là, peut-être sur la frappe d'Augustin. Mais là on l'avait ralenti, il faut dire qu'il y a ce qui est plutôt en cause, c'est le milieu et la défense de l'OM qui est vraiment pas monté suffisamment vite sur Keïta. Et donc Leipzig qui qu'à l'OM ils en mettent un et puis c'est bon. Ouais. Mais là je pense que ça va être l'OM est capable de marquer son 4ème but. Bien sûr, ils ont très pas mal de... Voilà, on est encore à la 55ème. En tout cas, petite anecdote, Jean-Kevin Augustin formé au PSG. Exactement, on l'a vu dans sa célébration. On l'a vu dans sa célébration, c'est pas un Marseillais de cœur. Voilà, on l'a bien vu. En tout cas, ça fait 3-2 pour Marseille, mais Marseille qui est éliminé pour l'instant. On l'a refusé son but en première mi-temps, mais là, son but est accepté, il est tout aussi beau d'ailleurs, très belle frappe. Il a fait contrôle du gauche, frappe du pied. Et puis, magnifique frappe extérieur, pied droit qui va juste à côté de la lucarne. En tout cas, messieurs, on se régale, c'est un sacré match, 4-2 pour le meilleur match de Payet depuis qu'il est revenu à l'OM. Alors, corner pour Leipzig qui est monté du gardien. Je pense que la dernière action, peut-être, hein. Qui a fait un très beau match, hein, le gardien de Leipzig, malgré qu'il soit pris 4 buts. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Il faut le mettre. Allez,
Il faut le mettre. Non. Allez, Sakai. Sakai. Oh, le but de Sakai. Pour l'alerte au but, ça fait 5-2 pour Marseille. Marseille en demi-finale de l'Europa League. Marseille. Non, mais c'est un club français quand même. Je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens autour de la table, mais il peut se réjouir. Je parle pas les autres. Le Marseille qui nous a sorti un vrai match de Coupe d'Europe, Non, mais 5-2. Marseille donc qui est dans les derniers carrés de l'Europa.